Le meurtre de l'abbé Saunière. Un titre qui évoque l'abbé Béranger Saunière, mais avec une écriture distincte. Un livre qui évoque Howard Phillips Lovecraft, alors que Lovecraft n'est présent que durant quelques pages, du moins en apparence. Une intrigue qui nous parle de l'énigme de Rennes le château, mais recompose complètement celle ci, un peu comme si l'auteur du récit en avait ramassé les différents fragments et les avait recollés en s'éloignant complètement de la forme initiale. Le tout constituant un voyage, on pourrait même dire un circuit, à travers la France, ponctué d'étapes et de noms qui seront perçus, du moins par ceux qui œuvrent à soulever le voile du secret, comme autant de réminiscences et résonances quasi oniriques d'un grand mystère dont règne le château, serait l'une des portes majeures. La moindre des choses que l'on puisse dire après avoir lu le meurtre de l'abbé sonnière est que c'est là un bien étrange livre. Oui, l'étrange livre que voilà. Étrange comme étranger à ce monde. Dès le départ, nous aurions dû nous méfier. La réception du manuscrit, assez épais, était accompagnée d'un courrier de l'éditeur Thierry-Emmanuel Garnier, en date du 13 octobre 2022. Ce qui marquait immédiatement, instantanément, dans nos esprits déjà enflammés par l'attente, qu'il devait être pris avec toutes les précautions d'usage qui s'imposent et traité avec la plus suprême attention qui soit. N'est-ce pas, en effet, un 13 octobre 1307, au matin d'un vendredi marqué au ciel par un funeste sort, que tous les templiers du royaume de France, soit plusieurs milliers au total, furent arrêtés sur ordre du roi Philippe IV le Bel Même si l'auteur n'a pas emprunté au style de Jean Parvulesco toute son architecture solaire et poétique, il n'en demeure pas moins que l'ouvrage lunaire et ténébreux que nous préfaçons porte en lui, derrière ses apparences littéraires, sommes toutes légères et volatiles, les mêmes structures de pénétration opérative que ceux du métaphysicien romain. Derrière un polar, qui rappelle à bien des égards les romans de Gaston Leroux, de par sa joyeuse extravagance et son humour, de par la raison qui se débat pour ordonner le fantastique exact, selon le mot de Jules Bois, ou encore de par le récit qui fait mine, parfois, de se perdre dans les labyrinthes des innombrables chapitres pour mieux nous leurrer. Derrière ce polar équivoque, qui évoque le roux, disions-nous, derrière sa façade subalterne, se dissimulent des voies d'accès, des passes, mais aussi des impasses, menant toutes vers la centrale mystériosophique de Rennes le-château. Cette centrale est à prendre dans le sens d'un cœur, d'un palpitant d'où semblent émerger, battre et résonner toutes les énigmes, tous les arcanes et tous les phénomènes surnaturels réunis. Ne parle t-on pas de la présence sur place, d'un trésor incommensurable de l'arche d'alliance du tombeau de Marie-Madeleine et du Christ de base d'Ovni d'une voire de plusieurs entrées menant à Lagarta et de bien d'autres choses merveilleuses encore la présence du poulpe frappé sur le grand portefeuille en cuir à deux volets contenant le dossier Polypus et gravé sur la paroi d'un boyau souterrain des égouts de paris ainsi que l'énorme octopode monstrueux ressemblant à s'y méprendre à que tout et régnant en gardien des eaux usées de la capitale sous la chambre des députés, n'évoque-t-elle pas les multiples tentacules du mystère qui nous préoccupent et qui, selon l'auteur du livre, se déploient sur tout l'hexagone Béranger Saunière, l'un des personnages clés du récit, Poursuivi par le jésuite Baskerville, missionné par le Vatican pour récupérer le dossier Polypus, semble lui-même emprunter les voies tentaculaires de l'immense pieuvre qui ne dit pas son nom. Il fait escale en différents lieux de France qui ne manqueront pas d'interpeller le lecteur familiarisé, accoutumé, habitué avec certains aspects protéiformes du monstre et qui a de ce fait quelque peu apprivoiser la substance capricieuse de la bête. Ainsi, aucune étape, aucune rencontre que font les deux hommes ne doivent être négligées, qu'elles paraissent inventées ou réelles. Ici, la vérité quantique de l'énigme prend la forme qui lui convient le mieux pour mystifier, ou au contraire, instruire le liseur tout entier engagé dans l'aventure. Si par hasard, le petit village de Rennes-en-Grenouille, mentionné par l'auteur, vous paraît évoquer assez justement celui de Rennes-les-Bains, à cause de celui qui tient les rênes de l'église principale, un dénommé Debout, autrement dit Boudet. Il n'en est rien. Ou plutôt, c'est cela et autre chose en même temps. Rennes-en-Grenouille étant avec saint frimbaud de la et du boeuf un des sommets les plus importants d'un triangle qui forme le centre symbolique d'une terre sacrée, découvert par un certain René Bansart. Sur son vieux solex, cet infatigable chercheur, passionné du Graal et du pays de la quête arthurienne, sillonna durant plus de vingt années entières la région et bien au-delà, pour mettre à jour... Après avoir emprunté des chemins perdus aux ornières impossibles, un secret qui devait le mener jusqu'au tombeau. Ce fut en effet au cours d'une nuit sans lune de novembre 1971, et alors qu'il rentrait d'une de ses promenades solitaires, qu'il fut violemment fauché par une voiture en plein brouillard sur la route déserte de Flers-la-Ferté-Massé au lieu dit Lémont. Ces lieux bansardiens, nimbés de mystères archaïques, où l'on trouve beaucoup de pierres levées, de sources et d'arbres sacrés, offrent de bien curieux liens avec le razès. Rennes en grenouille, pour en revenir à cette reine là, tiendrait son nom de celui de la ville de Rennes. L'homonyme proviendrait donc de Bretagne, et suggérerait ici de la présence ancienne des redonnes. Ceux qui ont des chars, ce peuple celte qui se serait égaré hors de leur territoire situé normalement au nord-ouest de la Gaule. En faisant rouler ces pensées, on ne peut évidemment que songer à Redae, la cité des chariots. Il faut souligner aussi qu'en ancien français, grenouille se dit reine, du latin rana et que si la bestiole symbolisait la royauté solaire avant la fleur de lys, elle est apparentée également au trident de Neptune, symbole d'un continent oublié, l'Atlantide. La grenouille est associée également à la fécondité et à l'eau. Elle est l'un des symboles de la déesse mère. Pour en finir avec ce village et comme tout se tient, il faut souligner que ce livre est d'ailleurs dédié à Georges, D. Martin, auteur initié disparu en 2020, écrivain normand très au fait des arcanes arthuriens du passé. Ce dernier fut en effet, entre autres, l'ami proche de Georges Bertin qui lui fit découvrir les recherches de René Bansard. Dans ce polar envoyé du pôle, beaucoup d'autres indices qu'il faudra décrypter vous seront donnés tout au cours du récit et du voyage. Certains personnages portent des noms de lieux, et par effet de miroir, de réflexion, de réfraction, certains lieux portent le nom de certains personnages. De quoi rappeler une certaine clé de lecture donnée par Gérard de Sède lorsque, sous l'inspiration de Pierre Plantard, il composa cette véritable fable symbolique, à déchiffrer à la manière d'un rêve, qu'est l'or de Rennes. La légende recourt au même procédé d'occultation que le rêve. Rébut, jeu de mots, par étymologie, erreur de détail commise exprès, figuration de notions abstraites par des personnages ou inversement, etc. Y lit-on. Et encore, et de même que l'analyse d'un rêve fait souvent apparaître le nom d'un lieu dissimulé derrière celui d'un personnage, Blanche de Castille peut fort bien être ici une simple métaphore de Castillo-Blanco du Château Blanc. Pour en revenir au caractère codé du meurtre de l'abbé Saunière, au lecteur donc, de repérer ces nombreuses références glissées dans le roman. Souvent non sans humour et qui laisse le sentiment d'être dans un étrange rêve surréaliste. Les noms de personnages parlent et offrent à la réalité un étrange double, dont on ne comprendra la nature qu'une fois arrivé à la toute fin du récit. Fin qu'il n'est pas question de déflorer ici, tant elle éclaire brusquement comme une soudaine illumination la nature du récit que le lecteur achèvera alors enfin en comprenant de quoi il s'agissait. Certains noms sont des versions altérées de noms réels, comme Saunière, bien sûr, par le double fictif de l'abbé Saunière, ou encore son confrère, l'abbé Debout, alter ego de l'abbé Boudet, mais qui habite non loin de Bagnoles de l'Orne. De ce dernier, l'abbé Debout a plusieurs traits, il est comme lui philologue, archéologue, linguiste et herboriste. Ce dernier détail, bien connu du noyau dur des chercheurs des deux reines, mais que le public plus élargi des passionnés de l'affaire ignore souvent, nous montre que l'auteur du présent roman a une connaissance précise des faits en dépit des libertés qu'il prend avec la réalité. Il faut avoir cela à l'esprit lorsque l'on se plonge dans ce récit. La réalité y est souvent tordue, aussi bien pour Saunière que pour Lovecraft, mais ce n'est pas par ignorance. L'auteur a réagencé symboliquement la réalité. Il l'a reconstruite, répétons-le, à la façon d'un songe, et donc symboliquement. Nous n'allons pas recenser ici toutes les indications et autres informations que contient ce roman à clé qu'est le meurtre de la baissonnière. Néanmoins, nous voudrions encore une dernière fois pointer, orienter et même éclairer quelques zones d'ombre sur ce qui est peut-être le noyau ontologique de l'objet que vous allez lire le fameux dossier Polypus, qui se compose d'un certain nombre de documents très anciens. Il contient un secret principal, un secret calice entouré d'une corolle d'autres secrets dont l'abbé Debout, de par ses propres recherches, connaît déjà plus ou moins, pour certains d'entre eux, le contenu interdit. Il y est question principalement d'un pacte presque un marché de dupes cosmiques, qui débouchera sur un mystère vertigineux concernant l'origine du Christ et sa généalogie que beaucoup de chercheurs du Razès, mais pas que, ont approché. D'autres révélations, et non des moindres, sont encore abordées, telles que la nature atlantéenne de l'Arche d'alliance et bien d'autres choses encore. Cet afflux d'informations extraordinaires qui aménage un livre dans le livre, qui en est ablé. Pour ainsi dire, son double en creux, sa face cachée dans l'ombre, constitue en réalité le dossier secret que Jean Parvulesco, parti trop tôt, voulait en partie dévoiler dans son île rouge qui n'a jamais émergé. Comme déjà explicité plus haut, dans une note de bas de page, l'écrivain roumain entretenait des relations étroites avec un groupe hermétique qui avait élu domicile dans une salle cachée, une crypte de l'église Saint-Sulpice, dont personnellement nous n'avons jamais retrouvé l'entrée et qui, d'après les dires de Parvulesco lui-même, contenait, posté là en veilleur, une réplique exacte de l'asmodée de l'église de Rennes-le-Château. Un groupe d'hermétistes sulpiciens rattachés au hiéron du Val-d'Or, ou disons à une société clandestine chrétienne entretenant, par voie de réminiscence polaire, un lien profond avec l'ordre ésotérique fondé par le baron de Sarachaga. Toujours d'après Parvulesco, cette société était comme son glorieux aîné, Détentrice d'antiques documents spirituels importants et avançait confidentiellement, peu ou prou, les mêmes vérités que celles inventées par Maurice Leblanc pour les besoins de son polar ésotérique. On peut se demander où le romancier est allé puiser ces précieuses informations. Serait-ce dans le monde imaginal? c'est-à-dire dans les annales dites akashiques, de l'univers, où toutes les informations seraient stockées et dans lesquelles puisent parfois inconsciemment certains écrivains inspirés ou, plus prosaïquement, dans les échanges épistolaires que Thierry Emmanuel Garnier entretenait avec l'auteur de la spirale prophétique, et qu'il a dû précieusement conserver. Il faudrait le demander à ce dernier, on peut aussi, et après tout pourquoi pas, se demander si l'anonyme se cachant comme Arsène Lupin derrière le masque de Maurice Leblanc n'appartiendrait pas lui-même au cercle des Sulpiciens que rencontra Jean Parvulesco. Pour en finir enfin avec les confidences que nous avait faites Jean Parvulesco, très proches dans leurs teneurs occultes et prohibées de celles que contient le dossier Polypus, nous aurions pu penser que ces dernières n'eussent été que les inventions d'une jolie fable, contée par un narrateur de talent à l'accent de l'Est inimitable, si nous n'avions pas eu un jour l'heureuse surprise de découvrir, providentiellement, l'interview d'un certain René M., ancien journaliste de l'agence France Presse. Actuellement à la retraite, ami de Gérard de Sède, que François Lange a intelligemment interrogé dans le cadre de son ouvrage Reine le Château, affaire classée, tome 1. En effet, René Milon, qui avait bien connu Gérard de Sède, fit à François Lange la confidence suivante L'auteur de l'or de Rennes lui avait montré à la fin des années 70 et ce, à quelques jours d'intervalle, deux diables identiques. Celui de l'église de Sainte-Marie-Madeleine, à Rennes-le-Château, dans l'Aude, supposé unique pour la plupart des chercheurs, et ensuite celui de l'église Saint-Sulpice, à Paris, posé dans un coin sombre d'une sacristie discrète et recouvert négligemment d'un simple drap. Un drap jeté là comme un voile, nous évoquant. Au moment d'achever cette préface, le voile sur lequel semble reposer chacun des mots du meurtre de l'abbé Saunière. Sous l'étrangeté du récit, qui déconcertera sans doute plus d'un lecteur, se devine quelque chose. Le livre est un voile entre le lecteur et un envers du monde souvent pressenti, mais pleinement vu par quelques-uns seulement. Comme nous le disions en préambule de cette vidéo, quel étrange livre que voilà